Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene. Queste parole d'amore che sospira il mio cuore. E per la vita non ti lascio mai più. On connaît le dernier mot du poète anglais Robert Browning, qui mourut en admirant le Grand Canal. « Ouvrez mon cœur, vous y verrez écrit Italie ». Il aurait pu dire « Vous y verrez écrit Venise », car la Sérénissime le fascinait, comme de nos jours elle fascine les 9 millions de touristes qui la visitent chaque année. Il est vrai que, redoutable ensorceleuse, magnifiquement sertie dans un écrin où ciel et eau communient avec magnificence, Venise se prête comme aucune autre ville aux rêves les plus fous. Dans chaque palais habitait autrefois une riche famille de nobles. Comtes, barons, baronnes, marquis. Aujourd'hui, ils sont divisés en multiples appartements. Toutes ces maisons ont été aménagées en bureaux, où elles appartiennent à des particuliers. Alors là, c'était les greniers où l'on conservait le maïs pour les besoins de la ville. Aujourd'hui, c'est une école. Et voilà la maison où a habité Lucrèce Borgia, qui était la maîtresse du doge. Lucrezia Borgia era l'amante del doge. Voici l'église de Saint-Stal du XVIe siècle. La façade était toute noire, l'UNESCO l'a restaurée. 136 millions. Il semble qu'on ait tout dit sur Venise. C'est heureux, car le plus souvent, lorsqu'on a la chance de pouvoir caresser du regard cette ville musée, les mots nous manquent pour exprimer notre émotion. Manuela, Manuela, se nella tua casa moleta tu stai così sola, tu sola. Pour aimer Venise, dit-on, il suffit d'ouvrir les yeux. C'est vrai. Pour un peu, on en oublierait presque les 10 000 marches des 446 ponts qui enjambent avec tant de grâce ces 177 canaux. Manuela, oh Manuela, nel lazzo turichino dei sogni, c'è scritto Manuela. Ah, ah, ah. 45 d'entre eux débouchent sur le Grand Canal. Principale artère de cette cité féerique, dont Catherine Rioua dit fort joliment qu'elle est le trésor de la mémoire enfouie. Ici, il y a deux écussons. Les palais les plus importants possèdent des écussons de la famille. Selon les dessins, alors on peut savoir s'il s'agit d'un comte ou d'un baron. Les palais de la testa del disegno. Sanno se c'è un conte, un barone. Alors voici le plus beau palais qui se trouve sur le Grand Canal, le Cadoro, c'est-à-dire la maison d'or. Elle date du 15e siècle. C'est la maison où habitait Casanova. Aujourd'hui, c'est un musée. Pour bien naviguer,
Alors nous, on a nos habitudes. Par exemple, pour entrer dans ce canal, je crie « Oi !» très fort. Alors comme ça, si quelqu'un sort du canal, il me crie « Oi !» et un de nous s'arrêtera. C'est une coutume désormais. Ce trésor appartient au monde entier, et le monde entier s'y donne rendez-vous. L'on comprend aisément pourquoi. Venise offre tant de richesses historiques, artistiques et architecturales qu'on en est tout étourdi. Ici, nous sommes dans le centre de Venise, près de la place Saint-Marc. Il y a beaucoup de gondoles dans les parages. Il ne faut jamais s'appuyer avec la main sur le mur, toujours avec le pied. Les gondoliers ne doivent jamais mettre la main sur le mur. Perché il gondoliere non deve fare la mano sul muro e il piede così si fa. Voici le premier hôtel de Venise. Il date du XVIe siècle. C'est la maison où habitait Goethe. Maintenant, je vais vous montrer une maison où habite encore un comte, le comte Marcello, d'une famille vénitienne. Uno dei nobili, Marcello, una famiglia veneziana. Ci sono tre persone che abitano in questo palazzo dopo subito. Trois personnes seulement habitent dans ce palais. C'est encore une riche famille qui a des terres et des vignes. Il s'agit d'un couple et d'une sœur. Le problème, c'est l'âge. Ils ont 83, 84 ans. Alors c'est un problème pour qui a de l'argent de savoir que bientôt, ça sera fini. Un problème pour qui a soldi, savoir que presto sarà quel che sarà. Ça, c'est un palais très connu où habite encore le comte Volpi. Vous voyez qu'il a son propre ponton privé. Il y a encore 12 personnes à son service et un gondolier privé. Lorsque sa fille a eu 18 ans, le comte a loué les 484 gondoles de Venise à 500 000 lire l'une. Et c'est comme ça qu'il a fait entrer sa fille en société, en invitant les personnes les plus riches du monde. Nous, les gondoliers, on est tous arrivés ici avec nos gondoles. Et a invitato tutti i più ricchi signori del mondo addirittura. Et alors, serviva tutti con le gondole siamo arrivati qui. Ha speso un miliardo. Il a dépensé un milliard. Solo di capriccio. Uniquement pour ce caprice. Savez-vous pourquoi on appelle ce pont le pont des soupirs?
Questa è la prison. Là, c'est la prison. Et là, c'est le palais ducal. Alors le prisonnier qui traversait le pont en direction de la prison, ben, il soupirait. Il savait que le plus souvent, de l'autre côté, dans la cour, c'est la guillotine qui l'attendait. Un couple qui passe sous le pont doit s'embrasser en formant le vœu de revenir un jour à Venise, vivre heureux. Ils doivent exprimer ce vœu comme ils le feraient à Rome. Vous savez, en jetant une pièce de monnaie dans une fontaine. Ah non, mais il y en a qui prétendent qu'on peut faire l'amour sur une gondole. Non, non. Moi, on ne peut pas faire l'amour sur ma gondole. Seulement des bisous. Quand ils donnaient des bisous, c'est fait comme ça. Pas comme ça. Jean Cocteau songeait à la place Saint-Marc lorsqu'il écrivit « Venise, la ville où les pigeons marchent et où les lions volent ». La place Saint-Marc est le cœur de la cité. Pour Napoléon, elle était le plus beau salon d'Europe. Elle l'est toujours. Vue de promenade des touristes, la place Saint-Marc fut longtemps le centre politique et religieux de Venise, le Rialto étant, lui, le centre commercial. Au XIe siècle, l'endroit était un jardin potager, au centre duquel se trouvait un canal appelé Batario. Le palais ducal, de plus pur style gothique, est l'un des monuments les plus visités au monde. Il en est de même de la basilique, qui porte le nom de Saint-Marc l'évangéliste, dont les Vénitiens rapportèrent les reliques d'Alexandrie. On remarquera le campanile qui, au début du siècle, s'écroula comme un château de cartes et fut réduit à un tas de pierres en moins d'une minute. Le sel a été une des premières richesses de Venise. Puis les Vénitiens ont importé des épices d'Orient. Venise était le grand fournisseur de poivre en Europe. C'est comme si c'était du pétrole de nos jours. Un bien précieux. Grâce au poivre, les Européens purent assaisonner, donner du goût aux aliments qui étaient, jusque-là, il faut le dire, insipides.
Cette influence orientale se respire à Venise. Il suffit d'entrer dans la basilique Saint-Marc, où il y a ces coupoles typiquement orientales avec leurs mosaïques. On respire véritablement cette influence fantastique de l'Orient, qui donne à la ville un côté magique. Venise a une position stratégique qui lui a permis de faire le commerce de tous ses biens précieux. Et puis, elle a eu de la chance, car elle n'a jamais été détruite par la guerre. C'est une ville qui est restée belle comme aux origines. Ce n'est point un hasard si au pied d'un échafaudage édifié pour cause de travaux sur la façade d'une église vénitienne, on a placé le panneau « Attention, chute d'ange ». Venise est vraiment bénie des dieux. Par quel miracle, malgré son statut de ville la plus visitée du monde, la perle de l'Adriatique est-elle ce havre de paix que préservent jalousement ses habitants ? Ville-musée, admirablement mise en valeur par ce grand canal sur lequel le trafic est parfois si dense qu'on en a été réduit à y installer des feux tricolores pour canaliser gondoles, péniches et bateaux à moteur, Venise est une cité où l'on se plaît à vivre, comme hors du temps. Et puis, trouve-t-on quelque peu pesante l'atmosphère estivale qu'on a le loisir de se réfugier sur l'une de ces îles de poche qui cernent la ville, ce rubis, comme un étincelant collier de perles verdoyant. Parmi ces bijoux, Burano étincelle de mille couleurs. La légende veut que les maisons de Burano soient colorées, de telle sorte que les pêcheurs noyés dans la brume puissent les repérer de loin. Quoi qu'on en dise, grâce à ces maisonnettes qui se reflètent joyeusement dans l'eau des canaux, Burano est sans conteste l'île la plus gaie de la lagune. Ceux qui vivent ici sont des pêcheurs, des verriers, des denteliers. Voyez, voyez toutes ces boutiques sur la place, tous ces magasins. Eh bien, c'est comme ça qu'on vit.
À Burano, aujourd'hui, nous sommes 4500. Il y a 10 ans, nous étions 11 000. Puis les gens d'ici sont partis pour Venise, Mestre, là où ils pouvaient trouver du travail, quoi. Burano est l'île des Dentelières. C'est grâce à elle qu'au début du XVIe siècle, ce minuscule petit bout de terre acquiert ses lettres de noblesse. Réservé à l'origine aux religieuses, l'art de la dentelle fut popularisé par les épouses et les filles des pêcheurs longtemps absents. Certaines perpétuent la tradition, assises des heures durant sur le seuil de leur porte. Nous sommes une vingtaine de personnes à faire ce travail. Il n'y a plus d'école aujourd'hui. L'école est un musée. Après nous, les anciens, ce sera terminé. C'est un artisanat qui disparaît. Je me lève vers 5 heures du matin. Je m'assois à 6 heures et je travaille jusqu'à 9 heures. Puis je m'occupe de ma maison. Et je me rassois et reste ici de 14 heures à 18 heures, 19 heures. Ensuite, je dîne. Je retravaille de 22 heures à plus de minuit, voire 2 heures du matin. Il faut avoir la force physique, mais aussi la constance et l'amour de ce travail. Il y a bien des filles qui essaient d'apprendre, mais elles n'ont pas la patience et la constance. Elles ont mal au cou, aux reins, etc. Ma mère est morte à 87 ans. Elle avait cessé de travailler à 82 ans. Ma mère a fait le voile de mariée de la reine Elena. Elle allait à l'école de dentelle à l'époque. Moi, je suis allé vivre dans d'autres endroits, mais mieux que Burano, il n'y a pas. Burano, c'est Burano. De nombreux étrangers se sont achetés des maisons ici. Les prix des maisons ont grimpé. Il y a des Allemands. Il y a même deux professeurs de l'hôpital de Milan. Ils viennent ici, pourquoi? Pour la tranquillité. Nous, à notre âge, on est très bien ici. On quittera avec regret la paisible Burano, mollement alanguie au pied de son clocher, spectaculairement incliné, et dont on pourrait craindre l'effondrement. Un court instant de recueillement s'impose. L'on passe devant San Michael, le cimetière de Venise, où dorment d'un dernier sommeil les gondoliers auxquels un secteur est réservé, ainsi que, entre autres, Stravinsky, Diaghilev et la reine Asparia de Grèce. Thank you.
Mais bien vite, la vie reprend ses droits. La Salute se profile à l'horizon. On s'apprête donc à replonger dans la folle animation d'une ville qui ressemble à un décor de théâtre devant lequel des milliers d'acteurs jouent la comédie. Comme ensorcelés, nous voici à nouveau sous le charme. Alors l'on s'interroge, pourquoi la vie quotidienne, somme toute ici comme ailleurs criante de banalité, est-elle à Venise un enchantement de tous les instants? Le Vénitien a toujours été un marchand qui a pu commercer grâce aux trafics incroyables qui existaient avec l'Orient. Pas de doute, le Vénitien est un marchand. Aujourd'hui, il est toujours un marchand. Il a gardé cette façon sympathique de traiter avec les gens. Mais le raffinement de l'époque s'est un peu perdu, malheureusement. Venise doit faire face à de gros problèmes. Ça va demander 2 heures. Oui, c'est vrai. Les problèmes sont nombreux. La chose la plus urgente serait de repeupler la ville avec ses propres habitants. Songez qu'il y a seulement 50 ans, la population était de 150 000 habitants. Maintenant, elle est de la moitié. Je crois que c'est la chose sur laquelle il faut intervenir. Et puis, il faudrait protéger toutes les petites activités d'artisanat, toutes les petites boutiques, toutes ces choses qui ont rendu Venise si fameuse à travers les siècles et qui sont en train de mourir. Cela semble peu de choses, mais cela maintiendrait la ville originelle. S'il n'y a que des activités et des magasins touristiques, la ville mourra lentement. On ignore le plus souvent que le célèbre pont du Rialto, incontournable pour se rendre au marché aux légumes et aux poissons, est bâti sur plus de 12 000 pieux. Un rien à côté de l'église Santa Maria della Salute, érigée, elle, sur plus d'un million de piquets. À une époque lointaine et sans pollution, du haut du Rialto, jadis en bois, puis reconstruit en pierre au XVIe siècle, les enfants plongeaient pour nager dans le Grand Canal. Longtemps, il fut l'unique pont enjambant ce canal grande que Henry James se plaisait à appeler la Grande Rue de Venise. Le Grand Canal, c'est Venise. Les Vénitiens l'appellent familièrement Canalazzo. Comme on le sait, il est la plus grande voie d'eau qui traverse la ville. Long de 3800 mètres, il est large d'une cinquantaine de mètres. Mais, le sait-on, sa profondeur n'excède pas 6 mètres. Une cinquantaine de petits canaux débouchent sur le Grand Canal,
permettant ainsi à toutes les embarcations d'atteindre tous les quartiers de la ville. Une ville somptueuse, que Goethe appelait malicieusement la République des castors. Milan, en effet, que Venise se mire dans la lagune, comme une jolie femme se contemple dans un miroir. Il faut avoir une grande passion pour cette activité, la volonté d'apprendre, un maître qui puisse t'enseigner, et ça c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Il n'existe pas d'école. Moi j'ai appris de mon père qui a appris, de mon grand-père qui a appris, de son grand-père, quatre générations. C'est l'unique façon de bien apprendre. Nous sommes 5 constructeurs, mais d'après ce qu'on dit, on est les meilleurs. Il faut dire que nous sommes les seuls à continuer ce métier de génération en génération. Nous construisons encore les gondoles comme il y a 100 ans, à l'antique. Ça veut dire que nous les construisons en fonction du poids du gondolier. Et alors, nous les courbons comme nous le voulons, alors que les autres, ils ont un modèle fixe qu'ils ne modifient jamais. La gondole est tordue. Si vous regardez la coque en proue, la gondole penche vers la droite parce que le fond est tordu à gauche. Lorsqu'on la met à l'eau, elle se redresse et penche vers la droite. Si je monte par là sur une gondole nouvelle, la gondole fait plouf. Si on en met 3 par là, il n'arrivera rien. Car elle est asymétrique, justement. De temps en temps, il arrive qu'avec les vagues, la gondole se renverse avec les gens à bord. Si vous regardez ces dessins, vous voyez les gondoles du XVIIIe siècle. Le significat... la pala. Les 6 dents symbolisent les 6 quartiers de Venise. La dent externe représente l'île de la Guidetcha. Et la forme de S, le Grand Canal. Mais tout ça, c'est quand même une légende. La gondola que vous voyez adesso è stata.
La gondole que vous voyez aujourd'hui a été reprise par mon arrière-grand-père. C'est lui que vous voyez derrière. Il a changé tous les systèmes de construction. Il l'a fait plus large ici pour pouvoir porter plus de poids. Et aujourd'hui, nous travaillons encore sur le chantier originel de mon arrière-grand-père. C'est un chantier qui date de 1884, année où notre famille a ouvert la maison. Les gondoles sont noires depuis 1552. Autrefois, les gondoles étaient ornées d'or, de brocart, de soie, de peinture. Les Vénitiens dépensaient beaucoup d'argent pour leurs gondoles. Ils en avaient plus d'une. Il y en avait une pour se promener, il y en avait une pour faire les courses. Ils étaient très très riches, hein. Mais comme l'économie de Venise périclitait, un doge a édicté un décret. Les gondoles devaient être noires. Alors, ceux qui croient que le noir symbolise le deuil se trompent. À l'époque, la couleur du deuil était le rouge. Alors, soit les gondoles étaient rouges en cas de deuil, soit elles étaient toutes noires. Pour avoir une gondole, il faut attendre environ 15 ans. Le prix dépend de son ornement. Celle-ci, complète, coûte environ 100 millions. Ce qui fait s'envoler le prix, c'est l'or. Mais on peut avoir une gondole normale pour 50 millions, comme celle de dehors, par exemple. Tous les ornements jaunes sont en or. C'est ça qui fait augmenter le prix. On raconte qu'autrefois, deux amoureux se trouvant à Venise ne savaient pas où aller. Alors, la lune en croissant est descendue et s'est transformée en gondole. Ainsi, les amoureux ont pu voyager tranquillement à travers la ville. La nuit, Venise est tout autre. Ville assoupie et flottante dans ses brouillards et dans son sommeil. La nuit à Venise, les eaux dérobées sont douces et savoureux le pain du mystère. Mais le poète l'a dit, sans le mystère et l'inconnu, l'âme humaine pourrait-elle vivre heureuse ?
La nuit, Venise, déjà secrète, cède la place à tous les fantasmes. Sûr que le spectre de Casanova hante encore les couloirs de ses somptueux palais aux volets clos, qui, tel de fantomatiques paquebots ivres, sombre lentement dans l'eau boueuse de la lagune. Dans cet endroit magique, cette œuvre d'art surgit du marais où, disait déjà Montesquieu, il ne devrait y avoir que des poissons. La nuit, bonheur suprême. Les musiciens de la place Saint-Marc semblent ne jouer que pour nous. Des mélodies inoubliables qui, comme Venise elle-même, ont su résister à l'usure du temps. Au réveil, on constate que notre Venise a une double vie. Le célèbre escalier du Bovolo passé, on découvre la vraie Venise, celle des Vénitiens, de ceux dont le doux aisément fait sourire toute l'Italie. Loin des circuits à touristes ou dans la cohue, on pense surtout à protéger ses orteils, on se régale de ces quartiers populaires aux merveilles insoupçonnées. Les préférés de Marcel Proust, de Paul Morand et d'Ernest Hemingway. Ce sont ces images de cette ville profane qui resteront dans nos mémoires. Avec ses centaines d'églises où, disait Arsène Houssaye, c'est Dieu qui est au service de l'art et non l'art au service de Dieu. Avec ses maisons posées comme des oiseaux aquatiques, ce ghetto, enfin, qu'on appelle plus familièrement le quartier juif, qu'habitent à peine plus de 800 personnes. Premier ghetto juif de l'histoire, il compta plus de 5000 résidents au XVIIe siècle. Ici, tout est signe kabbalistique, occultisme, hermétisme. On joue aux cartes à la sarrasine ou à la belle juive. Dans le ghetto, point de petit canal, mais les 5 synagogues les plus datées d'Europe. L'été, le Lido est à l'image de ces salons du XVIIIe siècle que fréquentait la noblesse vénitienne, à la veille de la chute de la République. C'est à Venise le seul endroit où l'on peut se baigner. Sur le bord de mer trône orgueilleusement le palais du cinéma, où chaque année depuis 1932, Lion d'or et d'argent éclipse le chaud soleil de septembre. L'ombre de Thomas Mann plane sur le Lido. Celle de Luchino Visconti est là, elle aussi. C'est en effet au Lido que le premier écrivit son roman, que le père du néo-réalisme italien devait adapter pour le cinéma sous le titre de « Mort à Venise ». Du Lido, on gagne Burano, le paradis des souffleurs de verre.
une exceptionnelle occasion d'apprécier le talent des artisans vénitiens. Resto sola e desolata, ma mi va la mia Venezia, che la mia padre la Madonna immacolata. Speriamo che il mio lamento è abbia da terminare, perché non altri tutti Venezia che abbiamo da salvare. Éternellement tournée vers la mer, Venise, fondée sur les eaux et entourée des eaux,
a longtemps été protégée par les eaux. Nous t'épousons, ô mer, en signe de perpétuelle domination, clamait chaque année le doge, juché sur son bus en tort. Comme Venise, le doge a bravé les siècles. Chaque année, il revient. Image vivante évoquée par Von Platen, de quel royal éclat tu brillais, ô Venise, au temps où te peignait Paul Véronèse, assise sur un velours d'azur, tenant un sceptre d'or. Porgi vengo, l'amore non c'è mai.